Et salut, première manche de la Manufacturer série sur GT Sport. Donc vous venez de le voir, c'est la première manche. On est sur Dragon Trail avec ma GT 3, groupe 3 McLaren. Alors on est parti pour 23 tours. Les conditions de course sont les médiums et les durs, donc à loisir selon la stratégie. C'est ma deuxième tentative. La première, j'ai foiré complètement. La grosse difficulté de ce circuit. Et bien simplement, en tout cas ce qui me concerne, c'est la chicane. J'ai énormément de mal à savoir s'il faut aller vite et pas perdre de temps, ou aller vite et se prendre le mur. Bref, il y a beaucoup de difficultés à ce niveau-là pour ma part, donc on va voir comment je vais aborder ça pendant la course. Donc 23 tours, c'est assez long. Je pense que je vais essayer de changer plusieurs fois de pneumatique, peut-être même passer sur les softs, on verra bien. En tout cas, je vais commencer en hard, dans les durs. Et on va voir si je les garde 1, 2, 3 tours, je sais pas encore. Donc là, vous voyez, je suis 10e. Donc c'est mon meilleur temps, une 38,447. Je crois que même aux essais, j'ai pas fait ce temps-là. Donc bah écoutez, on se retrouve sur la grille de départ. Allez, on est parti. Bon, bah comme vous le voyez, j'ai encore changé de caméra. Je suis désolé. C'est définitivement, je pense, celle qui me convient le mieux par rapport à la visibilité, par rapport à mes prises de repères et tout ça. J'ai vraiment plus de facilité. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai commencé avec cette vue-là sur la manette? Franchement, je ne sais pas. Mais malheureusement, je crois que je vais devoir rester avec. Donc, enfin, malheureusement. Après tout, c'est aussi mon plaisir de conduite qui prime. Donc, voilà. On va voir. Alors, je me suis vautré lamentablement sur ma première tentative ici, sur ce freinage-là. J'ai failli refaire exactement la même. Voilà, ça pousse déjà. Je vais peut-être quand même essayer de rincer les pneus 2-3 tours, histoire d'élargir les lignes. Allez, on arrive sur le gros dur en ce qui me concerne sur ce circuit. C'est passé, mais bon, il y a 23 fois à passer, donc j'ai tenté la première tentative avec le TC à zéro. J'ai vite abandonné. Perdu du temps là. Je ne sais pas s'il allait réapparaître devant moi. Oh, je me suis fait peur. Oh, je me suis fait peur. Ah, lui aussi derrière.
Allez, on tente. On va passer en médium. Je tente, très honnêtement, je sais pas ce que ça peut donner. Merde, il m'a remis du carburant, ce con. C'était pas prévu. Allez, on sort 14e. On est un peu loin, mais c'est pas grave. Première tentative, je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai fini 16e. Ah, normalement tu peux le passer à fond, hein, cette chicane de merde, mais je préfère prendre de l'assurance. Et on mettra les tendres après. Trop mal ici. Un bon premier secteur, je pense, ça va être pas mal. Non, c'est que la première manche, hein. De toute façon, je sais qu'il y a des circuits où je serai moins bon. Je sais qu'il y a des circuits où la McLaren sera meilleure, donc voilà. Le calendrier est long. Le tout, c'est de pas faire d'erreur. Heureusement que j'ai pas mis la face cam, hein, parce que vous voyez ma tête quand je passe la chicane. Allez, une seconde 4, faudrait que je garde la spi, prends bien. Pas le cas. Il y a du grabuge.
Avec le TC1, c'est mieux. Ah, bah derrière, c'est parti pour le spin. Comme premier début de course, enfin début de course intéressant. Il me reste normalement même plus d'arrêt à faire parce que j'ai monté les deux types de gomme nécessaires. Mais bon, j'irai pas au bout. Ici, surtout qu'il faut pas que je me plante. Quitte à soulager. Mal passé là. C'est aussi les pneus, je crois, qui commencent à souffrir. Peut-être là où je vais avoir fait une erreur de stratégie. J'aille au bout des médiums. Ah, je passe un petit coup de frein juste pour la placer. Ah, faut que j'aille au moins au 15e tour, 16e tour avec. Ouais, c'est là que tu vois que ça commence à glissouiller. Donc ça veut dire les pneus ils te disent attention Gaillard, on s'est amusé mais là. Là, je suis dans une position que j'aime pas du tout. Suivre quelqu'un sur cette partie-là, j'aime pas du tout. Ah putain! Je passais, hein. Ah oui, regarde-moi ça. Les deux, là, ils m'emmerdent. Enfin, surtout le Detlef devant là.
perdre du temps. Qu'est-ce qui freine lui? Qu'est-ce qui freine là derrière là? Là il se prend 0,5 lui devant, c'est vraiment pas justifié. C'est l'autre con derrière là qui a freiné. Je suis désolé pour lui, mais moi j'y peux rien. Elle m'a bien fait perdre du temps l'autre. Allez, je me retrouve dans la même position. Pas, hein. Ah, faut jauger l'Axel. Pour éviter de faire une erreur. Il me retombe encore dans les pattes. Allez, 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 allez. Ah putain, le revoilà. Je vois rien du tout. Je crame mes pneus, je perds mon temps. Mauvaise période pour moi là. Perdu 2-3 places là. Mais oui, mais je vais encore me prendre une pénalité. Non, ça va. Allez, c'est bon. On se reconcentre. En espérant qu'ils ont encore un changement de pneumatique à faire. Le mec, il a fait des étincelles, je le rattrape même pas. Alors lui, il pite. Donc moi, de toute façon, je vais piter bientôt. À bientôt. Thank you.
On va faire remettre un petit peu de TC. Hop. C'est bien chaud. Hein. Et pourtant, j'ai encore au moins 2-3 tours à faire avec. Garder les hardes encore 2 tours par rapport à ce que j'avais prévu. Ah, on sent que même en grip elle a du mal. Ah, je viens de faire quoi, 10 tours avec. Ah, il m'en faut encore au moins 2. Pas trop le choix. Ça devient chaud au freinage. Hein. Une seconde 8 derrière, ça revient comme des balles. Ça revient très très vite. Sur les grandes courbes, ça va encore, elle tient. Sur les appuis et freinages, sans qu'elle se dérobe. Désolé derrière, je prends ma trage, je vais pas m'écarter non plus. Pas mal le spire. Ça va, je t'ai bien aidé à reprendre ta trajectoire. Allez, une place de gagner, c'est pas mal ça. La question va être, qu'est-ce que ça va donner avec mon dernier art. Allez, il faut que j'en fasse encore un dernier pour pouvoir utiliser pleinement les softs. Et après, j'entre.
Ouf. Ouais, tu sens qu'elle veut partir. Là, tu dis, les pneus, c'est terminé. Allez, tendre, hop. Pas faire le plein, non, j'ai encore assez. Hop, on y va. Allez, en plein, ça devrait le faire. On va se méfier des pneus froids. Mettre le TCR1 et c'est reparti. On va essayer de pas trop les bouffer. Alors déjà si je finis P11 c'est mieux que ma première tentative, donc ce serait que du B9. Devant c'est très très loin. J'espère qu'il y en a au moins un ou deux qui fassent encore un arrêt, je pense que ça c'est possible. Ouais, il y en a qui se sont arrêtés. On va voir justement si je sors avant. Ouais, ils sont repartis. Donc le P9 qui vient de sortir juste à l'instant. Secondes, on va voir s'il est meilleur, plus rapide. Ah mais derrière il est rapide aussi hein. Plus rapide que moi. Je ne pourrais pas le retenir. Oh, il y a du monde encore. Il a essayé de me faire le freinage avec sa Mercedes derrière. Je croyais que je l'avais pas vu. Thank you.
C'est chaud. Non, passe pas à la grande, s'il te plaît. Ne bousille pas la course de tout le monde pour. Enfin, tout le monde de toi et moi pour une place que de toute façon tu vas prendre. T'es plus rapide, c'est tout. Allez, vas-y, prends-la. Ouais. Je me demande si t'as pas laissé la voiture glissouiller tout doucement vers l'extérieur pour me bloquer. Au final, c'est pas grave. Je prends ton aspi, donc... Ah, le fameux bug du plot. Allez, c'est bon. Il reste 4 tours. Derrière, ça va. Perd un peu de temps. Allez, ça se prend la spi, ça va se bloquer là-bas, c'est sûr. Oui. Eh oui, un petit peu trop agressif la Merco. Je l'avais vu. C'est bon pour moi, on va essayer d'en profiter. Mais bon, comme il reste 3 tours, il risque de revenir. Pas marrant ça, il n'y a plus d'arrêt au stand. Le plus, eh ben, il est un peu concentré. Ah,
Les deux petits là-bas en jaune, je pense que vous les avez vus tout au bout. Ouh, j'ai frôlé la mort. Il n'y a plus que deux fois à passer. Ah, là, il y a une grosse bagarre à trois. Qu'est-ce que ça fait? Eh, plus que deux tours, ça. On va rien lâcher parce que je sais pas l'état de leurs pneus. Commence à se fatiguer tout doucement, mais bon, on va pas être sur la réserve maintenant. Je me ferais bien une petite corvette. Je sais pas ce qu'il fait, mais il a l'air complètement à la rue. Allez, dernier tour. Freiner un peu tard. Oh putain, Sam, qu'est-ce que tu fais? Je l'ai perdu. Voilà, tout le monde y serait passé, hein. Me dites pas les gars. Tout le monde y serait passé. Hein. En espérant qu'il va pas venir me défoncer. Dernière fois à passer. Ouf. Eh ben, je suis content de moi. Ah, je vous l'ai dit, hein, sur la chaîne, vous n'aurez pas beaucoup de podiums et un petit peu de bagarre. Et là, je suis content, franchement. Une bonne 8ème place, pas d'erreur, non, je pense pas. Au niveau stratégie, c'était beaucoup mieux. Je pense que c'était peut-être la chose à faire. Donc, non, franchement, je suis content de mon résultat. Je trouve ça vraiment pas mal pour débuter. Alors, j'avais fait une 16ème place avec, je sais plus, 39 points. Donc là, forcément, ce sera meilleur. Et pas beaucoup de Français, je sais même pas si j'en avais vu sur cette session. En tout cas voilà, donc pour la suite, je pense qu'il y aura peut-être une vidéo sur le championnat DTM qui commence à la CFR avec Raceroom dimanche prochain. Alors je pense pas la faire en live parce que ça va peut-être demander un peu trop de préparatifs, je sais pas encore, ce sera peut-être certainement de la retransmission en fait, comme là en différé, comme je fais pour GT Sport. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas si vous voulez voir du contenu un petit peu varié. C'est ce que je propose sur la chaîne, c'est un peu de tout, hein, donc voilà, c'est ce qui fait aussi la diversité du truc. Et ça peut intéresser pas mal de monde. Voilà. Alors, on va regarder quand même les points, ce que ça donne, pour voir si jamais
Ça me permet de monter pas mal, au moins peut-être 60 points, j'espère. 68. Bon, pour une première manche, c'est pas trop mal. J'ai gagné 2 places et je pense qu'au niveau des points, ça devrait être pas trop mal. Donc, je vous mettrai ça de toute façon, comme d'habitude, au niveau de la vidéo. Et en tout cas, on se laisse là-dessus. Et moi, je vous dis à une prochaine. Salut!